Mesdames, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur KMTTélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir. Nous avons le plaisir, le très grand plaisir, d'animer ce soir le dialogue avec la presse en compagnie de Cindy. Cindy, vous nous avez manqué la semaine dernière. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde, je vais bien. La semaine s'est bien passée. Parce que vous n'étiez pas là, donc votre semaine s'est bien passée, c'est ça? Non, non, non. Il faut bien dire les choses. Non, la semaine s'est bien passée, c'est-à-dire que j'ai repris le travail, les vacances sont terminées pour moi. Voilà. Voilà. Donc Cindy est jeune et elle nous dit que la semaine est bien passée parce qu'elle a repris le travail. C'est quand même extraordinaire. Hein. C'est vraiment, je vous félicite, c'est vraiment, vous aimez le travail et la semaine se passe d'autant mieux que vous travaillez. Vraiment, je vous félicite. Ah oui. Et je reconnais là quelqu'un qui participe à cette émission. Qui... Vous aimez le travail? J'aime les vacances. Tu vois, tu me trouves là. Mais pour apprécier les vacances, il faut quand même travailler l'année. Comme ça, on part en vacances, on est plus heureux. Très bien. Docteur Maurice Montezune, comment allez-vous? Bonsoir. Très bien, merci. Bonsoir à tous les spectateurs. Un deuxième docteur sur le plateau, le docteur Samuel Mpaye. Bonsoir, docteur. Vous allez bien? Très bien. Bonsoir, chers téléspectateurs. Moi, je suis heureux, en tout cas, que le retour soit à côté de moi, parce que j'aurai une bonne semaine, par contre. C'est vrai. C'est comme ça qu'on apprend que Madame Paye ne regarde pas l'émission. Parce que si elle le regarde, elle est plus précisément en côté de moi. Donc, raison de plus pour que je puisse me lâcher un petit peu. Oh là là. Donc, c'est rare une déclaration d'amour comme ça en direct. Oh là 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 là, là je ne m'y attendais pas. Hein. Et Cindy qui rit, elle est aux anges, elle est heureuse. Ben oui. Hein. Bonsoir, monsieur José. José Charlotte, comment allez-vous? Eh bien, ça va. La semaine s'est bien passée. Alors, contrairement à Cindy, je suis en mode ralenti, mais je travaille quand même, j'ai des activités quand même. Mais Cindy vient de dire, heureusement, que le travail a repris. Mmh. Et j'ai connu une enseignante qui disait, oh là là, vivement la rentrée pour que je puisse me reposer. Et bien entendu, je n'oublie pas les marins pêcheurs de la côte Caraïbe qui subissent en ce moment une difficulté sérieuse, y compris, bien entendu... La côte Caraïbe. Côte Atlantique. Ah, monsieur Larcher, vous connaissez la Martinique. Hein. Vous ne faites pas la différence entre le nord et le sud, c'est bien. Non, entre l'est et l'ouest. L'est et l'ouest. Bien. Vous suivez cette émission depuis un certain temps et vous avez des gens que vous préférez à d'autres, des gens avec qui vous êtes plus d'accord qu'avec d'autres. Donc, on va essayer de voir sur un problème, sur un sujet un peu particulier, de qui vous vous rapprochez. Je vais poser une question à chacune de ces personnes ici qui va y répondre, et on verra si votre réponse à vous, chez vous, est plutôt proche de la réponse de M. Mpaye ou de M. Montezume. Enfin, on verra un petit peu. Comme ça, vous saurez un peu mieux de qui vous vous rapprochez. Alors, la question concerne la nourriture. C'est très simple. Combien d'œufs êtes-vous capable de manger à jeun? Alors, vous mettez votre réponse là, je vous donne même un stylo. Combien d'œufs, vous ne le montrez pas, combien d'œufs vous êtes capable de manger à jeun? Si vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît, et nous aussi on va y répondre. Combien d'œufs vous êtes capable de manger à jeun? Voilà. Vous mettez simplement le chiffre. Hein. Si je vous prenez du temps pour faire un chiffre. Hein. Je l'ai dit ça trop tard. Je l'ai dit. Merci. C'est bon? Docteur, pourquoi vous copiez sur Charlotte? Je peux reprendre le stylo. Les habitudes de l'école primaire. C'est pas votre stylo. Le vôtre. Pourquoi vous n'avez pas écrit? J'ai pas écrit. Combien d'œufs vous pouvez manger à jeun? Je vous invite à répondre à cette question et vous verrez de qui vous êtes proche ici. C'est trop rapide. Merci. Faut qu'on s'entende pas. Voilà. Ah, il fallait merci. D'accord, j'ai déjà merci. Pris le mien. Pas... Alors, 9, c'est qui? C'est vous, Charlotte? D'accord. D'accord. Combien? Qu'est-ce qu'il a mis zéro? Moi. Vous n'aimez pas les œufs? Oh, je suis à jeun. Alors là, ça c'est extraordinaire.
Ça, c'est extraordinaire. C'est avant juin. Parce que nous avons ici deux hommes. Un Martiniquais et un Camerounais. Mais ce sont les deux qui s'approchent le plus de la réponse. Mais il y en a un qui a la réponse juste, qui est le plus intelligent des deux. Et puis il y a l'autre. Alors, Cindy, vous avez répondu 3 œufs. Oui. D'accord. Vous avez répondu 9 œufs. Ouais, oui. D'accord. À juin. Le docteur Montezume a expliqué qu'on ne peut manger qu'un seul œuf à jeun. Puisque quand vous arrivez au deuxième œuf, vous n'êtes plus à jeun. Mm-hmm. Terminé. Voilà. On ne peut manger qu'un œuf. Donc je vous félicite, docteur, c'est vous qui avez gagné. Parce que lui, il a marqué zéro. Il fallait marquer un chiffre, hein, je le défends. Hein. Mais oui, il a marqué un chiffre, il a marqué un. Et lui, il a marqué zéro. Mais enfin, en même temps, bon, c'est lui qui a perdu. Oui, il y a juin, mais il y a le mois de juin. Ah oui, pendant le mois de juin, on peut manger 9 œufs. En plus, vous n'êtes pas bon en orthographe. C'est pas 9 œufs, c'est 9 œufs. 9 œufs. Au mois de juin. Donc, voilà, c'était une question. Toutes les réponses sont bonnes. J'espère que vous avez bien répondu chez vous étant, que vous avez répondu un œuf, parce que le deuxième œuf, vous n'êtes déjà plus à jeun. Bien, on va être plus sérieux maintenant et parler d'un sujet qui interpelle le docteur Mpaye. Il s'agit des prix des places de cinéma qui devraient augmenter. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, c'est ça. De quoi il s'agit? Alors, effectivement. Il y avait une espèce de... Dans le contrat, entre la différence entre la Martinique et puis la métropole, c'était que en termes de vente de tickets pour des places, pour la rentabilité, pour une rentabilité meilleure des films qui sont exposés, en métropole, 50% de la recette est reversée au distributeur, compris. À celui qui loue le film. Et celui qui loue le film. Et à Martinique, je crois qu'on est aux alentours de 35%. Et donc, effectivement, si ce contrat revenait à s'arrêter, finalement, c'est-à-dire que les places de cinéma à la Martinique passeraient pratiquement, je crois qu'ils sont à 8 euros, 10 euros, je crois, si les souvenirs sont bons, à pratiquement 9 euros, 10 euros, 8 euros 60, je crois, plus que ça, passeraient pratiquement à 15 euros, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et je l'ai entendu de la bouche d'un député qui disait qu'effectivement, il allait écrire, du moins, il allait prendre à bras le corps ce sujet pour pouvoir aller le présenter au ministre de la Culture en question, pour pouvoir négocier le prolongement de cette particularité insulaire. Moi je suis un peu... Alors, je ne vais pas critiquer ce que fait le député, parce qu'après tout, chacun fait à l'aune des armes qu'il a. Mais il y a quelque chose qui me gêne dans ce qu'il a dit. C'est le fait d'aller demander à ce qu'il y ait une exception pour nos territoires. Je crois que c'était le député Giovanni, du Nord-Atlantique, je crois. Mm-hmm. Il est de ce côté-là. J'oublie son nom. William, exactement. Ah, William. Giovanni. Et du Robert, d'ailleurs. William Giovanni. Et du Robert. Et ça revient à ce que je disais lorsque l'Assemblée nationale a été élue la dernière fois. Je disais que nous aurons un problème si, pour les députés d'outre-mer ou insulaires qui existent, nous n'avons pas un groupe parlementaire à l'Assemblée. Parce que ça fait partie des questions. Et pourquoi je parle du cinéma? Parce que ça va faire partie de la même rhétorique qui va se passer au moment où nous allons finir le Congrès. C'est-à-dire, le Congrès en Martinique. C'est-à-dire, comment faire appliquer ou comment faire en sorte que ce que nous estimons pas normal sur un territoire puisse en fait l'être par la force, non pas d'aller négocier en sous-main avec tel ou tel ministre, mais la capacité de mobiliser par la force des électeurs, des élus que nous avons en place, la capacité à changer le destin de nos régions. Je pense que c'est un exemple criant de ce qui va nous manquer. C'est-à-dire, nous n'avons pas de levier. Aucun, zéro.
Et que pour chaque question, à partir du moment où nous n'avons pas ce levier de député, nous risquons d'avoir toujours en face de nous des gens qui sont capables de nous répondre par oui ou par non, parce que nous n'avons pas un groupe parlementaire capable d'influencer sur les décisions politiques qui importent pour notre pays. Je vous disais tantôt que si nous avions fait, alors certains me diront, nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts suivant les îles où on se trouve. Je peux comprendre. Mais je dis, si nous avions ne serait-ce que des élus de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Saint-Martin, de la Corse, de la Réunion, mis dans un seul groupe ou avec quelques autres, de la métropole, je dis la métropole, vous prendrez encore dessus, mais n'importe. Nous aurions la capacité encore plus importante de pouvoir influer sur des décisions qui nous concernent. Or là, j'ai l'impression que chaque fois que nous aurons un souci, nous n'aurons comme marge de manœuvre que d'aller dans les bureaux ministériels et faire la courbette à chaque fois pour avoir un peu de gras, pour solutionner des problèmes qui sont propres à nos régions. C'est ça qui, pour moi, me pose problème. Alors, je ne dis pas que ce que le député a fait n'est pas bon. Je dis simplement que nous sommes devant une politique de comment passer de l'intention que nous avons à la faisabilité de cela. D'accord. Voilà. Bien, d'accord. Bon, pas d'accord du tout, mais d'accord. Expliquez-nous. Expliquez-vous. Non, expliquez-nous. Nous sommes dans un domaine là de droit privé. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les gens qui louent des films à la chaîne Élysée prenaient 35% de la recette. Oui. Alors qu'ils prenaient 50% en France. Et maintenant, ils ont décidé de prendre 50% également en Martinique. Oui. Ce qui fait que les prix vont certainement augmenter en Martinique. Bon, le député, c'est un rapport de droit privé, quoi. Oui. Je veux dire, le député, il peut essayer d'aller voir les gens dans les couloirs, de leur dire, faites-nous, ne faites pas ça. Mais c'est pas exactement le rôle du député que d'aller rentrer dans les contrats de droit privé. Je veux dire, est-ce que c'est vrai, vous voulez savoir? Oui, non, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. La deuxième chose, c'est que je suis estomaqué, je veux dire, par ce que vous dites. Parce que le vrai problème du cinéma en Martinique, il existe depuis toujours et personne n'en a jamais parlé. Si j'habite Grand-Rivière, comment je vais au cinéma? Si j'habite Sainte-Anne, comment je vais au cinéma? Il y a des transports. Il y a des transports. Donc je suis obligé de prendre le transport public, d'aller au cinéma. Si je veux aller à la séance de 8h, de 20h, je rentre chez moi à 10h du soir, encore pour le transport public. Si j'habite Fort-de-France, je peux presque y aller à pied. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ne puisse pas aller au cinéma de façon fluide, quel que soit l'endroit du territoire où on se trouve. Parce qu'il y a des transports, c'est vrai, mais l'endroit où vous habitez là, au fond de notre Trinité, là, pour prendre le transport, pour aller au cinéma, le samedi soir, à 20h, vous n'avez aucune chance. Et vous le savez très bien. Donc c'est ça le problème du cinéma. Et donc la chaîne Élysée n'a jamais résolu ce problème. C'est ça le vrai problème. Le reste, c'est de la littérature. Alors, moi, j'ai une question. À l'époque que ma mère était jeune, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de cinéma dans plusieurs communes de la Martinique. Oui. Pourquoi tout d'un coup, tout a fermé et il n'y en a plus un seul? Pourquoi on a centralisé le cinéma? C'est bien ce que je vous dis. Mais pourquoi ça. Mais j'en sais rien, moi. Je veux dire que ça, par contre, les politiques auraient pu s'y intéresser. De dire, Madame Élysée, si vous mettez une salle à Grand-Rivière, elle sera un peu déficitaire. Parce que, bon, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va subventionner pour compenser, pour que la population ait une salle de cinéma, au moins dans le Nord. Le Nord Atlantique, le Nord Caraïbe, enfin, pas loin. Ouais. Ça n'a jamais été fait. Et j'ai toujours trouvé ça insupportable. Donc, c'est peut-être pour des raisons financières. Et c'était pas rentable. Mais évidemment, toujours. Évidemment. C'est pas pour priver les gens de Grand-Rivière ou des Trois-Îlets de cinéma, c'est parce que c'était pas rentable. Mais on peut subventionner des choses qui ne sont pas rentables. Il me semble que le cinéma en est. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je pense que l'industrie du cinéma doit être une des portes de sortie de ce pays-là. Nous devons être capables de faire des films en Martinique. Je me suis lancé là-dedans depuis un certain temps, bientôt vous allez en entendre parler. On doit créer une industrie du cinéma ici. Ce n'est pas normal que les Haïtiens fassent du cinéma, que les Africains fassent du cinéma, que les Canadiens, tout le monde fait du cinéma, et nous, on se contente d'être assis devant, et puis on regarde les feuilletons, on regarde. On n'arrête pas de regarder. Nous sommes capables de faire des films dans ce pays. On n'est pas capable de faire des films. On est capable de créer une véritable industrie du cinéma dans ce pays. Il a quand même posé une question quand même intéressante. Il dit
je crois, mais tout ce qui est département, territoire d'outre-mer, n'ont pas, pourquoi ils n'ont pas une représentation unique? Parce qu'ils pensent que si les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, agissent en force, ils pourraient avoir davantage de force quand ils demandent quelque chose à l'État que si chacun y va seul. Alors, c'est très bien. La vie, c'est moi qui ai proposé cette loi, ça a été accepté, ça a été refusé. Bon, peu importe. Mais sa question est vraiment importante. Parce que c'est vrai que les trois quarts des Martiniquais ne savent pas pourquoi. Il y en a qui se posent cette question. Vous savez bien que les Martiniquais aiment les choses ramassées. Hein? Ils voulaient qu'une seule collectivité, ce qui pour moi était une absurdité, mais enfin bon, c'est une collectivité, ils l'ont, elle ne marche pas mieux. Ils voulaient un seul organisme pour gérer l'eau, c'est ce qu'ils veulent jusqu'à maintenant. Ils se posent la question, pourquoi les parlementaires des territoires au département d'outre-mer n'ont pas une structure monolithique qui puisse aller politiquement faire des réclamations au gouvernement. Vous savez ce que veut dire le mot monolithique? Enfin, je voulais dire en un seul bloc. D'accord, mais c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Mais parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Pourquoi vous voulez? C'est une histoire d'hommes. Voilà, c'est une histoire d'ego, en fait. C'est une histoire d'ego. Ils sont dans des groupements. C'est ça qui était. Non, mais il n'a pas répondu. Hein. Quand je dis les hommes sont ce qu'ils sont, c'est les hommes de façon générale, le grand H. La Réunion ne veut même pas de l'article 73, tellement ils veulent que les règles de la République française soient exactement à l'identique à la Réunion. Alors que nous, on demande des petits trucs, eux, ils se battent pour qu'il n'y ait aucune différence. Harry Chalus, quand il veut voir le président, il appelle au téléphone, il a le président. Ce qui n'est pas le cas ici de nos députés. Chacun a les moyens qu'il veut pour obtenir ce qu'il veut. Et qu'ils vont se mettre ensemble, le temps de se mettre d'accord sur une revendication... Mais la législature sera passée. Terminé. Alors, attendez, Monsieur Montezume dit que j'ai raison. Alors, montrez-le à l'antenne. C'est possible. Merci beaucoup. C'est possible, mais c'est triste. C'est triste. Parce qu'en réalité, c'est possible, mais c'est triste. En réalité, ça veut dire que les choses ne vont finalement jamais changer. Non. Parce que je ne vois pas dans quel sens ça va pouvoir changer si nous n'avons. Je pense que c'était la seule mandature. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres comme celle-là. Où il n'y a pas de majorité absolue, et où justement, de faire un groupe justement basé sur les problématiques particulières des Outre-mer, aurait été mieux accepté si les revendications réussissaient à se mettre d'accord sur telle ou telle chose, aurait pu faire pencher la balance en nos faveurs parce que justement nous représentions un groupe. Or, je crains qu'on va laisser passer 5 ans et que cette chance-là ne se représentera plus pour moi. Ce qui se passe là ne se représentera plus. Docteur, ou alors sous une autre forme, docteur, mais peut-être plus violente. Je vous appelle docteur. Oui. Parce que c'est au docteur que je m'adresse. Oui. Est-ce qu'un cyclotron en Martinique aurait été une bonne chose plutôt qu'un cyclotron en Martinique, un cyclotron en Guadeloupe? Mais j'ai déjà répondu à la question que le cyclotron en Martinique, pour moi, ne sert pas à grand-chose à partir du moment où il y en a un en Guadeloupe. J'ai déjà dit. D'accord. J'ai déjà dit. Non, mais c'est bien, je n'avais pas entendu. Ça procède de la même chose. Hein. C'est ça. Alors, nous sommes dans un groupe monolithique. Oui. Pourquoi les Guadeloupéens vont accepter qu'on le mette en Martinique et les Martiniquais en Guadeloupe? Mais ça c'est exactement ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas du tout ça. Comment ça? Ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, regardez la problématique de la santé que nous avons sur notre territoire aujourd'hui. Regardez la problématique de la santé. D'avoir voulu créer dans les deux territoires que nous avons absolument tous les services qui font tout, fait que finalement on est en pointe sur rien. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous éclatez, vous voulez absolument donner sur tous les territoires, dans un CHU, les mêmes choses, exactement les mêmes, avec le même degré de perfectionnement, vous finissez par n'avoir rien du tout. C'est-à-dire que quand il y en a un des médecins en question qui n'est pas là, il n'y a plus rien qui peut se faire, parce qu'on attend qu'il revienne, etc. Quand nous avons un pôle cardiologie ici qui fonctionne très bien, nous avons un très bon pôle cardiologie à Martinique. La question, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un excellent pôle Martinique, pôle de cardiologie en Guadeloupe? Je me pose la question. Et qu'est-ce que vous répondez à la question que vous me posez? Ah, vous répondez non. Mais je réponds non. D'accord. Je réponds non. On est à 30 minutes. Mm-hmm. On est à 30 minutes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne doit pas avoir de pôle cardiologie en Martinique. Mais je dis l'excellence de la cardiologie.
on n'est pas obligé de l'avoir sur les deux territoires. D'autant plus qu'on peut rayonner en plus sur la Caraïbe. Sur la Caraïbe. Mm-hmm. Parce que vous voyez, ce sont ces questions-là qu'on doit se poser. On se pose à chaque fois les mauvaises questions et à chaque fois quand on est devant, comme aujourd'hui, où alors il n'y a plus aucun service qui fonctionne correctement et dans lequel on est en difficulté, on se rend compte des fois de l'absurdité, mais il est trop tard pour faire marche arrière. Parce que là, comme je dis souvent à mes patients, vous savez, ceux qui décèdent aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Ce sont nos parents. Ce sont nos parents qui décèdent aujourd'hui. Ce n'est pas les parents de quelqu'un d'autre. Quand on vous appelle et qu'on vous dit qu'il faut aller intervenir, comme aujourd'hui le 15 appelle en disant qu'il faut aller au marin, vous partez du Robert pour aller faire une intervention au marin. La personne au marin, ce n'est pas un étranger. La personne au marin, c'est votre famille. C'est votre famille qui est en difficulté. Et toutes ces réflexions-là, on ne les porte pas. On en discutait tout à l'heure. Tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Je ne dis pas que le territoire en termes de santé, c'est la spécialité que je connais sur laquelle je peux débattre, est mauvais. Mais ça crée des tensions. On est parti du cinéma et on parle du... Mais les tensions au téléphone, je peux vous dire, monsieur Laouché, qu'aujourd'hui, les familles sont excédées. Mais vous savez, quand les familles sont excédées, vous savez sur qui elles se retournent ? Sur les structures qui prennent en charge leurs parents, en considérant que ce sont les structures qui sont mauvaises, mais ne comprennent pas que les structures sont débordées. Je peux vous dire qu'en une semaine là, le nombre de fois où je me suis fait engueuler, je peux vous dire, je fais au moins 150 km par jour sur ce territoire. Hier, j'étais à Morne-Vert. J'ai fait Morne-Vert, Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, pour prendre en charge des patients. Ma collègue au travail... Et vous êtes basé au Robert. Et je suis au Robert. Ma collègue, Eva, au marin. Elle sort du Robert pour aller au marin faire une intervention. Oui, mais les patients ne comprennent pas que nous sommes en difficulté. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, notre territoire est en difficulté. Et je comprends, quand vous êtes en face de la détresse, votre parent, votre proche qui n'a pas de soins adéquats, vous estimez que le soin n'est pas adéquat ou la prise en charge pas adéquate, ben, vous avez envie que les choses se passent au mieux. Mais aujourd'hui, nous sommes sinistrés sur le territoire en termes de prise en charge. Et cette réflexion-là, il faut qu'on la porte. Docteur Montezume, la réflexion de la santé en Martinique doit-elle être menée en même temps que les organes qui s'occupent de la santé en Guadeloupe? Ah ben ce serait souhaitable, ce serait tout à fait souhaitable. Puisque finalement la problématique étant pratiquement la même, moi je crois tout à fait, je crois tout à fait. Mais de façon plus simple, ça fait plusieurs fois que nous parlons ici même le problème de carence dans la prise en charge de la santé à la Martinique. Nous le disons à la population, mais on peut s'imaginer qui peut réagir à ce que nous disons. Quand nous disons qu'il y a un problème, il faut réagir. Alors, la structure en charge de la santé, c'est l'ARS. L'ARS, son directeur est le préfet sanitaire. C'est lui qui prend les décisions. Bon, il ne les prend pas toujours seul, il les prend sous, bien entendu, le parapluie de son chef qui se trouve à Paris. Bon. Et tout ça dans une réflexion comptable. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va coûter à l'État français? Alors, quand on dit que la santé est de la compétence de l'État, il faut bien comprendre que c'est l'État qui paye, donc c'est l'État qui prend les décisions finales. Quand vous dites il manque des lits, vous pouvez le dire en tant que Martiniquais. Vous pouvez même vous mettre à plusieurs à le dire. Mais si l'État français considère que s'il crée 20 lits de rééducation, pour être très précis, il manque beaucoup plus que 20 lits. Mais admettons qu'on lui dise il faut nous donner 20 lits de rééducation parce qu'on n'arrive pas à rééduquer nos malades qui ont fait une hémiplégie, par exemple. Il peut répondre oui, mais le plus souvent, il répond non. Il répond non. Alors, il répond non, il trouve toutes sortes d'arguties pour ne pas le faire. Bon, qui peut influer pour que ça se fasse? C'est là que c'est important. Est-ce que les élus martiniquais, de la Martinique même, je parle des collectivités, peuvent le faire? Ou est-ce que c'est les grands représentants, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, est-ce que ceux-là peuvent agir sur le gouvernement pour leur dire, écoutez, il y a une carence dans la prise en charge à la Martinique, il faut absolument faire quelque chose.
faut réfléchir à ça. Docteur. On a tendance, je conclue, on a tendance à dire dans ce département, et les élus les premiers, en voulant parler de santé, vous dites, mais c'est de la compétence de l'État. Ça veut dire que ce n'est pas de sa compétence. Docteur. Alors, pour une fois, ces jours-ci, par rapport au Congrès, ils disent, nous allons probablement demander à l'État une parcelle de son pouvoir. Oui, de sa compétence dans la santé. Mais j'ai dit, hein, il ne faut pas qu'on se trompe, hein, il ne faut pas aller prendre la place de l'État premièrement, d'autant qu'il y a certainement des choses que nous pouvons faire, nous, pour améliorer la santé, sans avoir besoin de l'État. Mm-hmm. Oui, d'accord. Ouais. Alors... ok. Monsieur Charlotte. Oui, très brièvement, pour rebondir sur le sujet initial concernant le cinéma. Alors, monsieur Mpaï, concernant le cinéma, c'est vrai que le taux actuel de rémunération du fournisseur, c'est 35%. Mais si 35% sur la Martinique par rapport à 50% sur la métropole, imaginons. Pourquoi vous dites la métropole sur mais c'est la France, c'est gênant. La France, vous voyez hexagonale. La France hexagonale. Grand pays, la France. La France hexagonale. Je sais, monsieur Lorch, voilà. Vous aimez la France hexagonale. J'aime pas, mais je veux dire, il n'y a pas de métropole, ça ne veut rien dire. Ouais. Alors, 35% sur 9 euros en Martinique, ça fait 30 euros à peu près. Mais 50% sur 6 euros en France, ça fait toujours 3 euros. Donc, en valeur absolue, peut-être que c'est beaucoup plus juste de laisser les choses comme c'est, 50% métropole et 35% ici, le fournisseur, il ne perd pas plus. Le fournisseur d'accès, il ne perd pas plus. Parce que vous dire quelque chose. Le fournisseur, il connaît ses intérêts. C'est ça. S'il a décidé de mettre à 50%, voilà, c'est que ça l'intéresse. Ça marche. Oui, c'est pour mais en état actuel, les films ne voyagent pas par bateau, maintenant tout est par Internet. Voilà, donc il ne peut pas dire qu'il a des charges plus élevées en Martinique et il se rémunère plus grassement. Non, ça peut-être qu'il dit quelque chose que vous ne savez pas. La valeur absolue, c'est la même. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Oui, mais si pendant des années il a fonctionné comme ça, il trouvait bien son compte, peut-être que maintenant il est peut-être dans une relation contractuelle déséquilibrée où il est peut-être plus fort. Parce qu'il a un seul interlocuteur en Martinique, il n'y a pas... Mais peut-être qu'il a des problèmes aussi, qu'il veut gagner un peu plus d'argent. Bien sûr, parce que... Ah oui, mais il y a une conséquence. Plus c'est cher, moins s'il y aura de visiteurs au cinéma. Ils ont fait leur calcul, je suis sûr qu'ils ont fait leur calcul. Jeune fille. Ben, je suis complètement d'accord avec M. Charlotte. Hein. Les films vont augmenter, 15 euros la place. Vous imaginez, vous sortez de Basse-Pointe, vous devez prendre le bus, vous avez des enfants... À 2 euros l'essence. 2 euros l'essence. 15 euros à la place, les gens ne vont pas aller beaucoup au cinéma, surtout qu'il y a plusieurs plateformes maintenant, Netflix, etc. Les gens vont rester chez eux à regarder le cinéma chez eux. Bien sûr. Je trouve que c'est un désastre pour les salles de cinéma. Pour les salles de cinéma en Martinique. C'est la chronique d'une mort annoncée. Oui, c'est ça. Et docteur, puis, je voulais juste rebondir. Oui. Dire que je trouve dommage que c'est une guerre d'ego, en fait. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se réunir pour faire une seule unité politique. Pour porter nos projets, nos revendications à la Assemblée. Vous nous demandez, d'être des surhommes. Parce que c'est pas seulement en Martinique que ça se passe comme ça. Oui, mais il faut être un peu intelligent. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est quand même d'accord sur quelques sujets quand même qui reviennent. Merci, Lani. La santé, l'écologie, l'énergie, ce sont des grands sujets qui reviennent à chaque fois. Oui, donc, je suis d'accord. On aurait pu se réunir sur ces sujets-là. On préfère dire à la réunion, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord sur l'article tel et tel article. Donc du coup, on se met pas avec eux. Je trouve ça bête en fait. Du coup, c'est la population qui en pâtit à chaque fois. Je ne trouve pas ça normal. Les politiques sont censés travailler pour nous, en fait. Parce qu'on les a élus, en fait. Donc vous avez un bâton pour taper encore sur les politiques? Non, je ne dis pas... C'est le sport national en Martinique. Taper sur les politiques. Je ne tape pas, mais je dis juste qu'on aurait pu se réunir sur des grands thèmes tels que la santé, l'écologie. On aurait pu se retrouver dans ces grands thèmes. Je crois que vous êtes... Attendez, laissez-moi vous dire quelque chose quand même, franchement. Je peux vous dire. Monsieur Montezuma, est-ce que vous avez conscience que le corps médical en France est extrêmement puissant? C'est-à-dire que si les médecins décident de se mettre en grève, c'est bien plus grave qu'un tas de professions se mettant en grève. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui.
Mais c'est pas évident que ça fasse changer quoi que ce soit. Hein. Attendez. Vous voyez, le seul combat qu'on est sûr de perdre, c'est celui qu'on ne mène pas. Et qu'est-ce que vous faites? Au lieu de prendre votre responsabilité, de dire, moi je suis médecin martiniquais conscient, et vous aussi. Vous n'êtes pas martiniquais, mais vous êtes conscient quand même. Allons rencontrer mes copains guadeloupéens, des collègues guadeloupéens, et allons essayer de faire quelque chose, d'avoir un projet commun. Eh bien, vous ne pourriez pas ne pas l'imposer aux politiques, de tous les niveaux. Ils seraient obligés de vous écouter. Je dis bien obligés. Parce que si les médecins guadeloupéens et les médecins martiniquais décident de programmes, de projets, et puis que le gouvernement n'accepte pas et qu'il décide de se mettre en grève, eh bien le gouvernement va céder. Ça, c'est une évidence. Seulement, c'est plus facile de taper sur les politiques. Parce que vous ne prenez pas vos responsabilités. La société civile dans ce pays ne prend pas ses responsabilités. Il faut faire ça. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, voilà, les politiques seront obligés de suivre. J'ai une question. Est-ce que, quand les infirmières ont fait grève pour ne pas se faire vacciner, est-ce qu'elles ont eu gain de cause? Monsieur Larouché, est-ce qu'elles ont eu gain de cause? Okay. Les infirmières, ce n'est pas le monde médical. Qui soigne, hein? Ah bon? Attendez, c'est une partie du monde médical. D'accord? La partie active, très active. Oui. Mais c'est une partie. La question, moi, pourquoi tu aurais voulu qu'elles aient gain de cause? Parce que là, non, mais il faut choisir ses combats. Oui, oui, non, mais c'était un exemple pour dire que si les médecins se font non, non, non. Les infirmières ont mené un combat que d'autres n'ont pas mené. Ils n'étaient pas d'accord. Oui, mais il y avait quand même une grande majorité qui faisait grève, quand même, quand même. Non, non, non. Oui, 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 quand même. Ils n'ont pas eu de gain de cause. Alors, imaginez. Non, majorité. Vous savez, la minorité se fait toujours plus entendre que ceux qui le font du soir. C'est pas du tout la même chose. C'est pas une majorité parce que je gueule plus fort que je suis forcément majoritaire. En plus, je vous parle du monde médical. Oui, mais imaginons, si les médecins font grève, est-ce que tout le monde va suivre? C'est une question. Les médecins, s'ils font grève, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Est-ce que tout le monde va suivre? Comment peut-vous répondre à cette question? Je vous donne un exemple. Les infirmières ont fait grève. Elles étaient sur une problématique bien précise qui n'était pas unanimement reconnue par toutes les infirmières. Il y a un tas d'infirmières qui n'étaient pas d'accord. En fait, la question n'est pas sur la grève. La question, c'est sur les hommes, pour moi. La problématique n'a jamais été une question de profession. Ce n'est pas une question du politique. C'est une question des hommes qui sont et qui font la politique. C'est ça, c'est-à-dire que la politique, c'est noble. C'est censé être noble. C'est les gens qui s'en attribuent le mot politique après, qui en font ce qu'ils veulent. Pareil, la médecine, c'est censé être noble. Vous croyez que quand on décide de nommer un doyen de la faculté de médecine de Martinique, que ça alterne entre Guadeloupe et... Vous croyez que c'est facile? Monsieur Montezume peut témoigner, ce n'est pas évident. Quand il a fallu nommer un professeur de médecine générale à la Martinique, ou ne serait-ce que nommer... Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, risque de... Hein? Bon. Ne serait-ce que nommer un chef de clinique de médecine générale. Ouais. On n'en a pas, on n'avait pas. Il faut savoir les batailles que ça engendre. Alors, comme l'autre est de Guadeloupe et que l'autre... Ah, il faut que ce soit forcément un qui vienne de Martinique... On n'est pas sur les compétences, on est sur le positionnement. Et c'est ça notre problématique. C'est que nous ne sommes jamais sur les compétences. Mais voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qu'on a choisis ne sont pas compétents. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que nous ne sommes jamais sur le projet, comme on dit, quand on est en médecine et qu'on prend en charge un patient, on va dire le projet de soins. Où est-ce qu'on veut amener celui-là au moment où on le prend en charge? C'est-à-dire qu'au moment où vous décidez de mettre le patient dans vos lits, vous décidez déjà de ce que vous allez en faire à la fin. La question pour nous, c'est qu'on ne décide pas de ça. On est assis, et puis la seule question, c'est le poste qui intéresse, et non pas ce qu'on va faire dans 10 ans. Alors du coup, si nous sommes dans cette problématique-là, c'est sûr que les choses ne vont pas avancer, et que la vision sera toujours... Mais si on est dans la projection, si on est dans la mise en commun pour une amélioration de la prise en charge, oui, le problème, c'est que les hommes qui sont chargés de faire ça, ce n'est pas ceux-là qui se présentent. Les hommes qui auraient aimé faire ça n'aiment pas forcément les batailles. Ils n'aiment pas forcément les problèmes d'ego. Donc, ils ont des réflexions. Ils préfèrent, en petit comité, parler de ce qu'il y a, aller dans des petites zones où on peut en discuter, machin, mais ils ne vont jamais aller se présenter. Parce que si c'est pour discuter inutilement, juste pour avoir le poste, ça, beaucoup de gens ne veulent pas le faire. C'est ça, le problème. Oui. Monsieur Charlotte. Non, je comprends l'attitude de Monsieur Mpaï. Mais c'est vrai que, empiriquement, on a toujours su, entre la Martinique et la Guadeloupe, il y a un problème d'ego, il y a un problème de concurrence, il y a un problème que
les, disons, les dirigeants basés sur l'Hexagone jouent des fois avec ça. On peut voir le rappel, hein, des nominations des ministères, différents ministres. Depuis quelque temps, on voit bien que l'Hexagone préfère nommer des ministres venant de Guadeloupe. Et au niveau des Martiniquais, ça ne produit pas beaucoup. Heureusement d'ailleurs. Ça n'a jamais produit. Ça n'a jamais produit. Jamais, avec un grand G. Hein. C'est vrai, on n'a jamais de grands décideurs au ministère émanant de la Martinique. En a-t-on vraiment besoin? Qui profite du crime? Attendez, vous plaisantez là? Qui profite du crime? Attendez, oui, monsieur Mpaye. Oui, je vais vous dire. Mais on peut parler. Vous avez parlé beaucoup là. Oui, non. Qu'est-ce que vous parlez à part oui, monsieur Montesi, parce que je Montesi. Non, mais il disait quelque chose. Vous avez beaucoup parlé. Donc je vous dis juste 30 oui, secondes. Dites-moi. Lorsque l'on est ministre, oui, on se crée des réseaux extraordinairement efficaces. Oui. Et à un certain moment, la Martinique était leader par rapport à la Guadeloupe. Quand vous étiez étudiant, les étudiants guadeloupéens se faisaient passer pour des Martiniquais, tellement les Martiniquais avaient la cote par rapport aux Guadeloupéens. Maintenant, les Guadeloupéens ont pris le pas. Et ce n'est pas par hasard. Ils ont eu des ministres et des secrétaires d'État depuis Bambuc, en passant à Michaud Chevry, Lurel, etc. Nous, nous en avons eu zéro. Zéro. Sérieusement la seule question que j'ai... Attendez. Vous venez de réseau des gros signataires. Mais, on n'a pas les gros stylos. Une sottise va être dite sur ce plateau. Une sottise va être dite. J'ai dit heureusement. Ah, vous savez que c'était vous? Moi, je suis pas d'accord. Mais j'ai dit une sottise, mais être dit, hop, il a pris la parole. Vous savez très bien que quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils ont essayé de nous appâter. Ah bon? Oui, de nous appâter en nous crissant la patte, en nous faisant miroiter des postes de ministres. D'ailleurs, ils ont proposé à Aimé Césaire d'être ministre, qui s'est empressé de refuser. Et il nous a expliqué, à nous progressistes, qu'accepter d'être ministre d'un gouvernement que vous n'avez pas à votre main, parce que le gouvernement fait ce qu'il veut. Tout à fait. C'est juste une position. Vous ne faites que suivre ce que fait le gouvernement. Et il dit, si le gouvernement prend des positions qui me semblent contraires aux intérêts de la Martinique, je démissionnerai, puisque vous savez très bien que chevènement dit, un ministre, ça obéit ou ça démissionne. Hein, c'est comme ça que fonctionne l'État français. Hein. Alors, je ne suis pas sûr que le fait d'être ministre nous apporte à nous, Martiniquais, dans la, et Guadeloupéens d'ailleurs, dans la situation dans laquelle nous sommes depuis la fin de la guerre, depuis 1946, ou depuis 1946, nous essayons de rattraper le niveau de la France. Nous sommes toujours à la traîne, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, nous sommes toujours à la traîne, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à faire l'égalité en rien, ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan social, ni sur le plan du développement économique, ni sur le plan du développement énergétique. Nous n'avons jamais pu faire les choses les plus... fondamental que peuple pourrait avoir. Autrement dit, je conclue en disant, je ne suis pas sûr que c'est une place de ministre qui va nous amener à faire ça. Je ne suis pas certain de ça. Je suis sûr ou pas au contraire. Que quand les Martiniquais vont se réunir pour discuter de leurs propres problèmes, quand ils vont se réunir pour faire ça, ils vont peut-être faire ce que dit M. Larouché, qui répète souvent, ils vont peut-être faire des plans de développement de leur pays, et peut-être que là, on avancera même à petits pas, comme dit Césaire, mais on tâchera de garder chaque pas gagné. Mais moi, je crois plus à cette politique-là que le ministre va faire quoi que ce soit. Attendez, prenez la parole à M. Charlotte. Mais ce qu'on venait de dire là, M. Montezume, mais c'est complètement dramatique. Je blague pas. Je vous l'ai démontré. Il vous a rendu hommage en disant que vous dites qu'il fait des plans et tout ça. Mais finalement, aurait-il mal compris? Il n'a bien parlé. De quoi? Il n'a bien parlé que lorsqu'il m'a rendu hommage. À part ça, c'était pas bon. Quel dommage, Non, mais, docteur Montezume, je suis pas du tout d'accord. Quand on a un gros décideur bien placé, pour un groupe d'hommes, quel que soit le groupe social, hein, on a un ministre.
qui est accessible à nous. Donc, le ministre, il influence beaucoup de gros décideurs, intermédiaires, et ça fait un effet d'entraînement pour l'ensemble de la population. Quand on regarde en Guadeloupe en ce moment, il y a toujours eu des ministres en Guadeloupe, mais depuis quelques années, on constate que tous les sièges sociaux des grandes entreprises sont basés en Guadeloupe. Tous. Ils sont tous partis en Guadeloupe. Mmh. Et nous, on est un appendice. D'accord. On est accessoire. Mmh. Donc, le fait d'avoir des gros décideurs, disons des gros stylos, mmh. au moins, si on a un dossier à faire passer, on peut croiser les directeurs des grandes sociétés basées sur la Guadeloupe. Ah. On peut y traiter les affaires plus rapidement, plus directement. Mais si on est loin de ces décideurs-là, on ne peut même pas les croiser au restaurant. Très bien. On ne peut pas les croiser à la porte. On ne peut pas les croiser au restaurant. Alors, on n'est pas dans le milieu. Alors, on sera toujours à la traîne. Alors, la société, par enchaînement, ouais. traîne. Eh bien, malgré tout ça, malgré tout ce que vous dites là, malgré tous ces croisements dont vous venez de parler, hein, le chômage à la Guadeloupe n'est pas moindre que celui de la Martinique, que je sache. Oui. La situation sanitaire de la Guadeloupe n'est pas meilleure que celle de la Martinique, que je sache. Que la situation de l'agriculture guadeloupéenne n'est pas meilleure que celle de la Martinique, que je sache. À quel niveau les Guadeloupéens ont fait un bond en avant qui vous permette de tenir ce discours-là. Expliquez-moi ça. Les fondamentaux d'abord, les Guadeloupéens progressent beaucoup, contrairement à ce qu'on pense. Je vous réponds. Ils avancent beaucoup plus vite que nous. C'est pour lui que je dis ça, pour qu'il continue. Pour savoir si, comme vous dites, ils ont pris le pas, il y a des indicateurs. Parlez-moi des indicateurs. Mais je vous en parle. Est-ce que le PIB de la Guadeloupe est largement supérieure à celui de la Martinique. Parce que la mortalité périnatale guadeloupéenne est inférieure à celle de la Martinique. Répondez-moi sur ces indicateurs. Ils étaient en retard par rapport à la Martinique. Ah, ils ont rattrapé le retard de la Martinique. Mais n'ont pas rattrapé la France. Ils sont en train de... Mais ils n'ont pas rattrapé la France. Monsieur Montezuma, mais attendez. Monsieur Montezuma, attendez, c'est important parce que ce que vous dites là, c'est tellement dit tout le temps que ça finit par... les gens finissent par en croire. Par quoi? Vos parents. Oui. Guadeloupéens, hein? Vous n'avez pas en Guadeloupéens? Mon père est Guadeloupéen, monsieur Larouché, voyons. Pauvre, c'est pas grave. Mon père est Guadeloupéen. Pourquoi? Ok, vos parents... Il est venu conquérir les morts. Il a bien réussi. Vous avez parlé d'Aimé Césaire à propos des ministres. Et on peut parler de Claude Lise plutôt que de Césaire. Hein. Et vous aidez, Claude Lise qui voulait accepter. Et vous aidez, et le PPM n'était pas d'accord. Non. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas d'accord. Attendez. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Il avait beaucoup plus de choses à s'occuper à la Martinique que d'aller essayer de s'occuper des choses françaises, des choses qu'il n'a pas faites ici. Hein. Monsieur Montezuma, vous êtes de mauvaise foi. Ah, bon, tiens. Parce que vous savez très bien qu'il y avait un conflit majeur et profond entre Camille Darcy et... Ça, c'est autre chose. Ben voilà, c'est autre chose. Laissez-moi en parler. Là, vous êtes gêné. Parce que vous racontez des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, vous avez Darcy, qui est secrétaire général du PPM, qui est anti-Lise. Et se rend compte que Rocard veut mettre Lise secrétaire d'État à la Santé, ça va donner à Lise un petit ballon. Il ne faut surtout pas que Lise soit ministre. Attendez, ministre de quoi? De la Santé française? Secrétaire d'État. Hein? Oui, secrétaire d'État à la Santé. À la Santé française? Non, la Santé Martinique, elle n'a pas été capable. Laissez-moi vous dire. Je vous dis que... La Santé Martinique, c'est l'action sociale. C'est pas de ça qu'on parle. C'est la protection maternelle et infantile. Vous n'êtes pas là pour régler le compte de Claude Lise qui n'est pas... Alors, ne parlez pas de lui. Vous m'empêchez pas de parler. Je vous dis que la vérité, c'est que Camille Dancière ne voulait pas que Claude Lise devienne secrétaire d'État de Rocard à la Santé et a donc décidé un PPM ne peut pas être ministre de la... Non, j'en parle de Césaire. Laissez-moi parler. Je vous parle de Césaire. Ben, moi, je ne vous parle pas de Césaire. Je vous parle de Darcier. Ah bah oui, d'accord. Et je vous dis... Si on n'a jamais été ministre. Je vous répète pour la 10 000e fois, c'est pour ça que nous n'avons jamais eu de ministre. La question que moi je pose, c'est préjudiciable. Parce que là, vous me parlez d'un temps
qui n'est pas le temps. Attends, non, moi, je parle du temps de cette demoiselle. Je parle de ce temps. Monsieur Mtaï. Et c'est ce temps-là qui m'intéresse. Je dis qu'aujourd'hui. Attendez, non, non. Je vous donne la parole pendant une heure après. Non, non. Parce que c'est important. Parce que je vous dis, vos parents ont vécu dans la pénurie. Eh bien, non. Ok. La génération. Excusez-moi. Je n'allais pas à l'école avec. Je n'allais pas à l'école pieds nus. J'allais avec un côté de chaussures pour faire comme mes compagnons qui n'avaient pas de chaussures. D'accord. Donc, ok. La génération de vos parents, et vous êtes l'exception qui confirme la règle. La génération de vos parents, sans vous. On n'est pas tous des bourgeois, malheureusement. A vécu dans la pénurie. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de quoi manger comme il faut le soir, etc. Bien. Elle a réussi, grâce à l'école française, à faire de vous non, de ça, la génération. J'en ai marre d'entendre ce discours-là de inventer cette école. Attendez, laissez-moi finir. On a l'impression qu'il y a que ça qui est la référence du développement. Laissez-moi laissez-moi finir. Donc il fallait être ministre pour ça. Mais non, mais. Là, parce que je monsieur Paille, monsieur Paille, vous avez réussi des études. Oui. Vous êtes capable de comprendre ce que je dis. Oui, tout à fait. Bon, alors essayez. Alors, je vais vous dire. Ils ont vécu dans la pénurie. Oui. Ils se sont saint les reins, comme de vaillants hommes, pour faire en sorte que leurs enfants aillent à l'école de la République, obtiennent des diplômes et puissent s'en sortir. D'accord. Ces enfants s'en étant sortis, ce monsieur-là en est un exemple. Mmh. Médecin, avocat, etc., ils s'en sont sortis. Ils ont voulu sortir de cette situation de pénurie. Donc, ils ont construit de belles maisons, je ne me trompe pas. Ils ont construit de belles piscines, est-ce que je me trompe? Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que leurs enfants, à eux, ne soient pas dans la pénurie. D'accord. Donc, ils ont investi dans l'individuel. Ils ont investi dans le cercle familial. Et puis, aujourd'hui, il y a une génération qui doit prendre son argent et investir dans le cercle public. Cette génération n'est plus dans la pénurie. Elle a piscine, elle a voiture, elle a BMW, elle a tout. Donc, il faut qu'elle investisse dans ce pays. Et elle n'investit pas dans le pays. Votre génération. Et c'est pour ça, notre génération. Voilà, votre génération. Et c'est pour ça que le pays ne se développe pas. Ce n'est pas à cause des béquets, ce n'est pas à cause des politiques. C'était son discours. Il essaie, il a dit qu'on ne se développe pas, on ne fait rien, etc. Non. C'est nous qui ne faisons rien. Mais c'est nous, la société civile. Mais nous sommes d'accord. Attendez. Remettez M. Montezume qui dit qu'il est d'accord avec moi. Parce que c'est par rapport au ministre qui n'était pas d'accord. C'est pas parce que vous aurez un ministre du coup du jour au lendemain martiniquais voilà. Que ça va changer. Ça va changer. Charlotte a raison. Docteur, c'est important de pouvoir voir un ministre facilement. Oui, c'est important que vous soyez un pouvoir d'aujourd'hui. Au cœur de la République. Ça ne change rien fondamentalement. Il faut qu'on soit au cœur. Il faut que des Martiniquais soient ministres, soit directeur de cabinet. Je suis navré. C'est le projet de développement qui fait en sorte que vous devenez quelqu'un. Non, ce n'est pas le ministre qui fait le développement des pays. On est d'accord. Mais nous sommes d'accord. Il faut un Martiniquais président de la République. Il faut un Martiniquais. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer. Ça ne va rien changer. Où le problème? Ça ne va rien changer. Je vais vous demander quelque chose. Et M. Barack Obama, il a été président. M. Barack Obama. Je vous pose la question. Monsieur Barack Obama, il a été président des États-Unis. Vous ne me répondez pas. Monsieur Barack Obama, il a été président des États-Unis. Il en a fait quoi? Il a fait ce qu'il a pu. Ah, merci. Donc, voilà. Donc, aussi, il fera ce qu'il a. Il a osé. Il a osé. Donc, ce n'est pas une question de couleur de peau, de Martinique. Et après, il a tout détruit. Il a osé. Ce n'est pas une question de Martinique pour Martinique. On n'est pas capable et on doit se soumettre éternellement aux aléas des autres. Écoutez, monsieur Charlotte, monsieur Mpaye est de mauvaise foi. Okay? Non, non, il sait, mais moi, je vous dis, il sait très bien que c'était bien que les Africains prennent leur indépendance et qu'il y ait un président africain qui puisse faire des choses pour son pays. Mais bien sûr. Mais nous, c'est pareil. Non, mais si c'est pas le président, c'est le premier ministre. C'est pas, les ministres ne décident de rien. Il est ministre de la culture. Mais je vous décide vous de quoi mais d'un truc particulier dans un coin de table. Vous discutez des places de cinéma. Je vous dis. Que si vous êtes ministre de la culture, vous participez au Conseil des ministres le mercredi. Oui. Et vous pouvez faire avancer les dossiers de votre pays. Absolument. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Bon, de quoi vous voulez parler? Si vous estimez que c'est comme ça que ça va avancer. Mais c'est comme ça. Ne faisons pas le congrès, demandons le ministre directement. Attendez, ne demandez pas je voulais revenir. Il faut être là où ça se passe. Il faut Non, ça c'était avant. Arrêtez de penser là où ça se passe. Arrêtez de penser comme ça. Non.
Arrêtons si de penser comme ça, parce que si vous n'avez, si vous n'avez aucun projet derrière, M. Charlotte, si vous n'avez aucun projet derrière, vous ne faites rien, vous n'avez pas de développement. Parce que trois entrepreneurs sont venus vous voir et que vous fermez votre réseau en Martinique parce que vous êtes ministre et que c'est les mêmes qui vont se servir parce que ça ne sert qu'une petite majorité de la population et que vous considérez que vous avez agi pour votre pays. Non, c'est pas ça être ministre. Oh, c'est ce qui se passe. Donc, c'est ce qui se passe. Là, on parle de projet commun, de projet de la Martinique pour son développement. On ne parle pas d'un ministre qui fait deux choses pour les gens qu'il connaît au quartier. C'est pas de ça dont on parle. Voyons le. Mais il n'a pas parfaitement raison. Imaginons que nous soyons absents de tout. Toute l'étape de décision. On fait comment? Eh bien, les choses se passent telles qu'elles se passent là maintenant. Okay. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. On est absent, on n'a pas de décision. Je suis estébécoué par votre comportement. Je reviens pas. Estébécoué, j'adore cette expression. Non, attendez. Si on n'est pas à la table de décision. Je vous ai dit quelque chose. Vous dites bien que c'est à l'Assemblée nationale qu'on fait quand même la politique française, non? Oui. De 46 jusqu'à la fin. Pourquoi vous dites oui? Ce n'est pas vrai. C'est dans les ministères des cabinets. Les cabinets des ministres qu'on fait la politique. Qu'on fait les affaires. C'est là qu'on prépare les projets de loi qui vont être présentés au Parlement. D'accord, on a les propositions de loi qui sont présentées par les députés. Par les députés, il y en a peu. Et il y a les projets qui sont présentés par le gouvernement. Oui. Mais c'est à l'Assemblée nationale. Mais c'est débattu où? C'est dans les ministres. C'est débattu où? Au Conseil des ministres. À la fin. Et puis à la fin, ça va au marché. Mais avant d'être débattu au Parlement, ça passe par les ministres. C'est les ministres qui proposent. Quand je vous en parlais, je sais que rien ne va changer chez nous. Alors, je sais ce que ça veut dire. Maintenant, je vous dis, vraiment très profondément et indépendamment de tout machin, pour faire un plan de développement de la Martinique, il suffit de 3 mois et d'une centaine de technocrates. Allons-y. C'est tout. Allons-y. Votre cinéma, là, de dire on va aller voir les gens, ça c'est du cinéma pour ne rien foutre du tout. Il faut, bien sûr, aller que les gens que vous aurez choisis pour faire votre plan soient capables d'aller voir les agriculteurs, d'aller voir les gens pour être renseignés. Mais c'est comme ça qu'on fait un plan. Parce que si c'est pour demander à la population, vous en avez pour 10 ans. On va demander ceci, celui-là va être d'accord, celui-là va pas être d'accord. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. D'accord, bon, je suis d'accord. Bon, mari de être ministre, c'est pas... Vous avez tort. C'est là que se font les projets de loi. Mmh. C'est là que ça pas se fait. Pas quand vous êtes ministre de la Culture. Mais si, les projets de loi culturelle, ça vient du ministère de la Culture. Nous n'avons pas besoin. Aujourd'hui, nous avons un projet. On a besoin d'un plan de développement aujourd'hui. Voilà. J'espère que le Congrès va le faire. Qui va gérer un budget de même pas 1 milliard d'euros. Qui n'aura aucune influence. Un milliard, c'est pas mal. Hein. Même pas. Non, parce que je ne suis pas sûr que le ministère de la Culture, c'est plus que ça. Mais enfin... Bon. C'est pas seulement une question d'argent, M. Mpaye. Et puis quand je vois les ministères qu'on nous attribue... On nous attribue... La francophonie. Nous, c'est qui? Oui. Nous, les Martiniquais ou les gens de mer. Nous, on nous attribue aux communistaires. Oui, ou réunionnais. Mais oui, mais quand je vois ce qu'on attribue à cela... Vous êtes perçu à tête que si la Martinique n'a pas avancé, c'est parce qu'elle n'a pas eu de ministre. J'ai pas vous êtes persuadé de ça. Ne mentez pas sur moi devant moi. Je vous fais l'honneur. Je ne vous fais pas l'honneur de ne pas croire que vous pensez ça. Que la Martinique n'avance pas parce que nous, de la société civile, nous ne faisons pas le nécessaire. Très bien, nous sommes d'accord. Deuxièmement, nous serions aidés par des ministres. Je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas par hasard qu'il y a eu beaucoup de ministres guadeloupéens. Et que la Guadeloupe. Mais la Guadeloupe n'est pas bien qu'étant en retard. Bien qu'étant en retard, nous a beaucoup rattrapés. Notamment dans le domaine. Attendez, l'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Ils étaient plus bas que nous. C'est ça. Avec des ministres, ils sont venus comme nous. Comme nous. Oui. C'est pas ça qu'il faut faire. Si vous avez un ministre, il faut monter. Non, mais ça va il ne faut pas arriver comme ça. Parce que ça c'est détestable. Il faut monter pour les autres. Ils sont en train de monter. Ça, c'est détestable. Il faut dépasser le détestable. Ils vont nous dépasser. Oh là là. Je vous assure que maintenant, en France,
quand on parle de tourisme et tout, c'est beaucoup la Guadeloupe. On parle beaucoup, beaucoup plus de la Guadeloupe. C'est Dirinéa, les arts sportifs et tout. Et la Guadeloupe nous supplante en France en ce moment. Oui, mais bon, par rapport au tourisme. Le chômage, il est pareil. Ils ont une visibilité. La santé est pareille. Le cachet est pareil. On a un comité de tourisme pour ça. Mais sont faits aussi pour qu'on ait de la visibilité. Oui, mais les Guadeloupéens sont plus forts que nous. J'ai découvert comment on nommait les ministres en France. Vous savez qu'on les nomme par région. Vous savez ça? Qu'il faut compter le nombre de Bretons. Il faut compter le nombre. Vous savez ça? Non. Ah si. Vous pouvez faire le truc. On vous dit, il y a une influence bretonne pour nommer les ministres. Monsieur Le Drian qui est resté je ne sais pas combien d'années là, breton machin, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut qu'il y ait un Corse qui apparaisse forcément au milieu de tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un, exactement comme le ministre chez moi au Cameroun. Hein. C'est important que le ministre... Donc c'est bien pour dire que le ministre, il ne sait pas grand chose, il ne sert qu'à remplir une fiche dans laquelle on va juste remplir des cases pour combler les trous. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais j'aimerais... C'est là que se font les lois. Et qu'en fait, les vrais décideurs, c'est le directeur du cabinet. Les directeurs de cabinet, avec qui sont choisis par le Premier ministre, puisqu'on ne vous les donne pas. Attendez, vous savez bien. Mais vous savez bien que c'est les directeurs de cabinet qui font les ministères. Et que c'est eux qu'on reçoit. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont choisis par le Premier ministre et qui sont attribués au ministre en question. Okay. Vous ne pouvez même pas choisir votre directeur de cabinet. Non, les ministres peuvent choisir leur directeur de cabinet. Monsieur Laouché, je vous dis qu'au ministère des Dom-Tom, le ministre choisit son directeur de cabinet. Maintenant, il me raconte. Ce ministère-là, vous l'excluez. Vous avez pas on peut le laisser choisir. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je parle des autres ministères. Vous avez lu ça sur les réseaux sociaux. Ah non, pas du tout. C'est la grande discussion pour les choux, vous savez bien. Je suis un journal communiste. C'est ça. Le directeur de cabinet, le ministre choisit son directeur de cabinet. Non, mais dans les autres cas. Regardez le directeur de cabinet de la Première ministre, c'est qui? Il n'a pas été, elle n'a pas choisi. Quoi que vous en savez? Tu vas pas dans ton pied, tu dis, ah celui-là, je l'aime bien, viens t'asseoir là. Vous savez bien qu'ils sont décidés. Parce que je pose une question, monsieur Mpaï. Oui. Je suis ministre. Oui. Et j'ai un directeur de cabinet. Oui. Je ne suis plus ministre. Oui. Est-ce que mon directeur de cabinet reste? Ah là, vous savez. Je vous pose la question. Oui, il reste. Il reste parfois. Non, vous avez bien dit quoi? Parfois. Ah, parfois. Oui, mais si il n'a pas été bon, il n'a pas été bon, vous pouvez partir. Le plus souvent. Le plus souvent, il est là. Bien sûr qu'il reste. On fait partie le ministre, le directeur de cabinet reste. Il part aussi. Bon, vous savez bien que c'est Macron, surtout sur la rue, c'est Macron qui choisit pratiquement tous ceux qui font son gouvernement, y compris les directeurs de cabinet. De quoi vous parlez? C'est la vérité? C'est la dictature alors? C'est pas la vérité. Mais c'est presque. C'est bien de ça qu'on se plaît. En tout cas, c'est au niveau du gouvernement que se fait la politique. C'est pas au niveau d'ailleurs. Bon, pourquoi vous me faites ça là? C'est vous qui êtes en train de me dire que vous vouliez changer de sujet. Bon, alors, ça veut dire. Mais non, je vous dis, en fait. Je fais, parce que cette jeune femme trouve qu'on agite fort mal avec les femmes qui font du sport. Oui, c'est bien ça? Oui, plus ou moins, c'est bien ça. En fait, je voulais parler un peu du sexisme et dans le sport féminin, en fait. Alors, j'ai lu un article. Dans le sport? Dans le sport féminin. Pourquoi féminin? Dans le sport féminin. Pourquoi dans le sport féminin? Parce qu'il n'y a pas de sexisme dans le sport masculin. Ben non. Mais pour moi, le sport est le sport. Il n'y a pas de sport ni féminin ni masculin. Mais il y a du sexisme. Il y a le sport tout court. Maintenant, après, tu peux dire les femmes. Mais attendez, c'est ça. Le football, il y a bien une équipe de football masculin, une équipe de football féminin. Oui, mais c'est toujours un sport. C'est pas mix, hein. Mais c'est toujours dans ta proposition de ta phrase. C'est sexisme dans le sport. Dans le sport. Si tu rajoutes féminin. D'un tout. Une distinction de langage. Voilà, excuse-moi. Alors, explique-nous. Non, tu as raison. C'est le sexisme dans le sport féminin. Ça n'existe pas dans le sport masculin. On ne se rend même pas compte que c'est quel sport qui est masculin. Il n'y a pas de sport masculin. Il n'y a pas de sport masculin, tous les sports. C'est tous les sports, c'est un sport. Sinon, c'est sexisme dans le sport tout court. La construction de la phrase, c'est ça. Cindy va nous expliquer ça. Avec sérénité. Vous voyez, là, vous mettez un point, j'étais à zéro. Le sexisme dans le sport. Voilà, le sexisme dans le sport. Merci beaucoup. Pour une fois, il va avoir que conscience. De nous avoir corrigé. C'est pas grave. Alors, en fait, j'ai lu un article qui parlait d'une équipe de danseuses aquatiques. Mm-hmm. Elles font tout ce qui est acrobatie
dans des piscines, vous savez. C'est ça, ces, voilà. Ouais. Subaquatique, oui. Et du coup, au final, elles ont été beaucoup critiquées et par l'agence masculine en disant que ce n'est pas vraiment un sport, que leurs prestations étaient... Tout le monde peut faire ça. C'est, elles ont, ils ont beaucoup critiqué sur le physique aussi des danseuses en question. Et du coup, ils n'ont pas porté attention à la prestation en elle-même. On n'a pas... Il n'y a pas de commentaires sur... Les gestuels. Comment dire? Sur la discipline. Sport, voilà, discipline, sur la discipline en elle-même. On a beaucoup critiqué l'apparence physique des femmes dans l'équipe, en fait. Ah. Et du coup, dans le journal, on a, dans le journal que j'ai lu, l'article en question, on dénonçait justement ça. On disait que dans les équipes masculines, il n'y a pas ce genre de propos. Et que pourquoi dans les équipes féminines, il y a toujours ce genre de propos? On regarde plus l'apparence, on critique beaucoup plus l'apparence que la discipline en elle-même. Que c'est inadmissible et qu'aujourd'hui, on ne devrait plus le faire, en fait. Si je vois les danseuses dans une piscine, alors, si j'ouvre la télévision et je vois que ce sont des hommes qui font ça, je zappe. on est dans la misogynie. On est clairement dans la misogynie tout de suite. Mais non, pas du tout, au contraire. Misogynie, mais j'aime voir ça. C'est pourquoi j'ouvre mon poste et j'ouvre pour savoir pourquoi ce qu'elle raconte. Mais par exemple, les ballets. Féminin, c'est très attirant. Il y a des ballets masculins. Masculin, ça m'intéresse moins. Non, non, ben, voilà, je suis dans la misogynie, c'est pas normal ça. Mais c'est pas misogynie, au contraire. C'est insportif, c'est insportif. Mais pourquoi vous dites misogynie? Misogynie, c'est ceux qui n'aiment pas les femmes. Moi, j'aime les femmes, au contraire. Oui, mais on... Misanthropie. Voilà, vous regardez le sport parce que ce sont des femmes qui le font, parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont gracieuses. Alors que non, il faut regarder le sport pour la discipline que c'est, pour la rigueur. Ah, il y a un petit côté féminin là qui est quand même un peu... qui donne une petite note quand même. Mais non, vous ne comprenez pas ça. Dans beaucoup d'activités de femmes, les femmes passent beaucoup de temps à tout faire pour que les hommes les regardent sur l'aspect non, physique. Non, 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 c'est pas vrai. C'est donc, pas quand vrai. Ça, attends, ça a des conséquences sur les activités, bon, on ne peut pas reprocher à celui qui regarde parce que l'autre en face qui s'expose, au départ, souvent, elles font tout pour que une question. Oui? Pourquoi les femmes se maquillent? J'avais déjà posé cette question plusieurs fois. Je connais déjà la réponse. Parce qu'elle veut séduire. C'est pas vrai. C'est pourquoi alors? C'est pourquoi? Elle se maquille pour elle-même. D'accord. Pour se plaire et elle-même. Et pourquoi les hommes ne se maquillent pas? Ils sont cons, hein. Ah ben, la génération d'aujourd'hui, les hommes se maquillent. Hein. Dans ma génération, les hommes se maquillent maintenant. Excusez-moi. Ils disent que le maquillage, c'est pas féminin. C'est pour tout le monde. Écoutez, demandez-lui pourquoi il se rase. Voilà, pourquoi vous rasez? Ok. Je réponds. Oui. Je réponds. Oui. Entre se raser. C'est-à-dire être propre. Oui. C'est ma notion de la propre. Excusez-moi. La barbe n'est pas propre. Laissez-moi finir. Les barbes bouges sont pas propres. Je suis très amusé parce que chaque fois que j'essaie de parler, vous m'interrompez. Comment je peux faire? C'est parce qu'on vous dit des absurdités. Attendez. Il me demande pourquoi je me rase. Oui. Je lui réponds pour être propre. C'est ma notion de la propreté. Oui. Expliquez-moi pourquoi une femme met du rouge à lèvres. Non, excusez-moi. Je peux vous donner l'explication. Pour elle-même. D'accord. Elle ne le fait pas forcément pour les autres. D'accord. Elle le fait parce qu'elle se sent bien. D'accord. En mettant la rouge à lèvres. Voilà. Elle ne le fait pas forcément pour séduire. C'est nous dans notre imaginaire qui pensons toujours que c'est qu'elle fait. Une petite seconde. Je finis. Nous, on est contre. C'est pas pour nous. Non, j'ai pas dit que vous étiez contre. Vous êtes venus nous être contre. Vous continuez à être. Vous continuez à suivre là. Pourquoi les femmes? La biche. Pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes mettre des talons hauts alors que c'est tellement confortable des talons plats. C'est tellement élégant pour elle-même. Pour elle-même, elle est très élégante pour elle-même. Pourquoi dans les siècles passés, les femmes se tordaient les reins pour donner l'impression qu'elles avaient des fesses? C'était la mode. Et c'était pour se donner des fesses quand même. Non, c'était pour montrer qu'elles étaient jolies. Non, donc c'était la mode. Être jolie, c'est avoir des fesses. Donc c'était pour être... Attends, vous avez bien dit pour être jolie. Oui. Donc pour se plaire elle-même. Mais bien sûr. On commence par se plaire à soi-même. Avant de plaire aux autres. Écoutez, je vous dis quelque chose. Dans toutes les civilisations humaines, oui. Depuis le début de l'humanité, les femmes se sont maquillées. Oui. Les femmes bien se sûr. Sont maquillées pour plaire aux hommes. Pourquoi? Taisez-vous, je vais vous dire. Pour plaire aux hommes. Parce que
le rapport sexuel entre un homme et une femme est basé sur la séduction. L'homme a besoin d'entrer en érection pour faire l'amour. Il a besoin d'entrer en érection. Et pour entrer en érection, il a besoin d'un certain nombre d'attributs féminins. De stimuli, au pluriel, de stimuli féminins qui l'excitent. Oui. Et le maquillage, et c'est vrai, quand vous voyez même dans les romans photos et tout ça, les femmes sont toujours maquillées parce qu'elles sont plus belles. Elles sont plus, et donc, ça excite davantage les hommes. D'accord, alors, j'aime bien ce mot, davantage. Donc, ça veut dire qu'elles s'excitent quand même si elles ne sont pas maquillées. Là, je pose juste la question. Oui, je vous réponds. Merci. Je vous réponds. Oui. Je ne vous ai pas répondu. Oui, mais allez-y. Ok. Oui. Elles sont beaucoup moins désirables quand elles sont moins jolies. Elles ont compris qu'en se maquillant, elles sont plus jolies. Excusez-moi de vous faire de la peine, c'est comme ça. Et dans toutes les civilisations, elles se sont... Comment non, Il n'y a pas un problème de la polygamie, de la compétition entre deux femmes. Oui, le bouton de péoche. Oui, mais merci. Oui. J'ai demandé si la polygamie n'était pas en cause. C'est-à-dire... La compétition qu'il y a entre deux femmes, donc celle-là se maquille davantage. Et plus belle. Parce que pour elles, le maquillage ajoutait à leur charme, à leur beauté, à leur façon de mettre l'homme en érection. Mais c'est ça, mais c'est du relief. Nous parlons de sport. C'est ça. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Lui, il vous explique que quand il voit une femme faire du sport, il ne peut pas faire abstraction de la beauté de la femme. Et c'est tant mieux. Mais pourquoi? Mais je prends l'exemple de ballet. Un homme. Ballet, une femme ballet. Quand l'homme fait sa prestation sur la scène... Ah, tu m'as fait peur, parce que ballet, moi, femme qui ballet, c'est... fait sa prestation sur la scène, on ne tarise d'éloge que la prestation, la discipline. Il a bien dansé, et quand c'est la femme, on parle tout de suite de son physique, je ne comprends pas. Mais on vous explique. Ça n'a pas de sens. C'est important, le physique des femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est du sport, donc du coup, on est censé parler de la discipline. Non, mais peut-être que la personne qui écrit aussi, c'est un homme. Donc il écrit à l'aune de ses propres références. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un écrit. Voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un écrit. Quand M. Laouché écrit, on sait qu'il écrit à l'aune de ses propres références. Il n'écrira pas en disant que... La femme se plaît d'abord à elle-même avant de plaire à l'autre. Mais j'ai pas dit ça. Il dirait qu'elle commence par lui plaire à lui. Elle cherche à plaire à l'autre. Bien sûr. Si c'est moi qui écris, je dirais qu'elle commence par se plaire à elle-même avant de plaire à l'autre. Parce que pour plaire à l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, ce que vous dites là n'a pas de sens. Il y a des femmes qui, se voyant d'une certaine façon, ne se plaisent pas, mais se s'habillent quand même de cette façon parce qu'elles savent que là, elles vont pouvoir séduire. Elles vont pouvoir séduire. Et c'est plus fréquent que vous ne le pensez. Il y a un tas de bonnes femmes qui ont envie de ne pas mettre de talons hauts, qui ont envie de ne pas se faire chier à se maquiller. Et elles se disent, il faut le faire pour pouvoir... Mais vous savez que les hommes font pareil. C'est abusé. Les hommes aussi. Moi, je ne veux jamais vu mettre de rouge à lèvres. Ce n'est pas une histoire de rouge à lèvres, mais la façon dont on s'habille, la façon dont on mange, c'est aussi parce que nous voulons séduire. La séduction est quelque chose de normal. Bien sûr, bien sûr. La question, ce n'est pas ça qu'elle pose. La question, ce qu'elle dit, c'est que pourquoi est-ce que lorsqu'on parle des femmes dans le sport, on le pose avec un certain angle, et quand on parle des hommes dans le sport, on le parle avec un certain angle? Et moi, je lui dis, simplement, c'est parce que la référence de celui qui parle, généralement, ce sont les hommes qui écrivent. Mais des fois, les femmes qui écrivent aussi, quand elles parlent des hommes dans le sport, elles parlent aussi, des fois, dans un angle qui n'est pas souvent un angle... sportif. Voilà, qui est sportif. Elles parlent des fois sous un angle qui est autre. Mais le problème, c'est que c'est nous qui sommes majoritaires à écrire. Alors, on écrit suivant nos références. À chaque fois que je regarde le sport à la télé, par exemple, on parle de l'équipe de football, on parle de la prestation, on parle comment ça s'est passé, le match. On ne dit pas, Ronaldinho, il est très beau, il est baraqué, il est musclé, vous avez vu le tête qu'il a fait, son genou est bien. Non, on ne parle pas de ça, on dit. C'est parce que ce n'est pas des femmes qui font les commentaires. Non, on parle du match, on parle de comment il a été performant dans le match. Et pour les femmes? Et pour les femmes? Non, dans l'équipe de football. Et pour les femmes? On ne parle pas du physique des femmes. Moi, j'ai suivi des compétitions récemment. On ne parlait pas du physique des femmes. Franchement, on parlait pas du physique. Je suis encore heureuse de voir qu'il y a encore des personnes qui animent et qui commentent le match de manière équitable. Mais dans certains sports, ça demeure toujours. Il y a du chemin à faire. Et vous trouvez ça très gênant? Je trouve ça très gênant parce que ce sont comme des sportifs. Il ne faut pas distinguer. Elles se sont entraînées. Il ne faut pas distinguer les femmes des hommes. Moi, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce que je dis. Je dis que ce sont des sportifs. Oui. Ils se sont entraînés. Et du coup, elles méritent d'être. Qu'on parle de leur discipline.
des efforts qu'elles ont fait. De leur capacité sportive. Voilà. Et non de leur physique. Et les ramener mais tout non, le temps à leur physique. Mais quand vous prenez en général, quand on fait un 100 mètres, quand on fait de l'athlétisme, de la course, quand on fait du saut, quand on fait du lancer, quand même, il n'y a pas de ce genre de critique-là. On ne regarde pas la femme avec un... On dit elle a besoin de gazelle. C'est dans certaines disciplines, comme ce que vous venez de dire, dans certaines disciplines, où c'est gracieux, où c'est féminin, qu'on met la touche féminine. Moi, je trouve ça très bien. Ben non, dans les sports... Et vous trouvez que ça dévalorise les femmes? Ce n'est pas dans tous les sports. Moi, je pense comme docteur Montezume, je pense qu'il y a des activités, quelle que soit l'activité, sportive ou autre, où l'aspect physique déclenche une observation. Il y a d'autres activités où c'est le résultat qui est en prééminence. Donc à ce moment-là, ce que tu critiques va être moins vu sur l'aspect physique parce qu'on on a besoin de compter 10 secondes au 100 mètres, 20 secondes, 20 km à l'heure, des choses comme ça. Tandis que si c'est les gestes, l'apparence, automatiquement, le réflexe physique va prendre le pas. Moi, j'ai vu le 100 mètres, il y avait une course là, c'est vrai qu'elle était jolie, hein, moi je sais pas. Non, ne dites pas ça, c'est ni Babette. Ne dites pas ça, surtout ne dites pas ça. L'Américaine était superbe. Elle a bien couru, elle a très vite couru. Physiquement, c'est vrai qu'à la fin de la course, on regardait moins les performances que le physique de la personne. Voilà, on ne peut pas comprendre ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est sexiste. Mais c'est pas pour autant. Je pense que c'est naturel, on est des sportifs. Il en fait d'accord avec moi. Alors que quand on voit un sportif courir, on ne dit pas. Cindy, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête quand vous voyez un sportif courir. Soyez franche. Non, mais je suis franche. Je suis franche. Vous ne regardez pas son physique. Mais non, mais. Est-ce que vous regardez son physique? Non, c'est un sportif. Je me dis, ah, il a super bien couru, il a fait super fort. Et vous ne regardez pas son physique. Mais non, c'est le sportif que je regarde. Donc vous avez un problème. La discipline. Cindy, quand tu vas en salle de musculation et que tu vois beaucoup d'hommes musclés, je vais penser à la musculation. C'est ça, parce que tu ne peux pas. Tu ne regardes pas le poids qu'il soulève, ni la vitesse du vélo. Souvent, les femmes, quand elles sont là, elles regardent les pectoraux. Non, mais je vais penser à le sport. Donc, j'ai fait mon sport moi-même, chez moi. C'est mieux. Ouais. Non, mais bon, voilà. Non, on a compris ce que tu veux dire. Hein. On n'est pas d'accord, mais on a compris. On n'est pas d'accord. Non, mais bon, moi, je ne veux pas non plus. Je peux comprendre. Je ne veux pas non plus qu'on mette au placard les compétences. Tout à fait. On va parler, si vous voulez bien, dans les 15 minutes qu'il nous reste, de la démocratie raciale. 15 minutes. On en a déjà 15 minutes. Parole ici. Mais je crois qu'on peut dire quelques mots. Moi, je propose qu'on le voit un peu comme ça. La démocratie raciale, c'est ce que les Brésiliens ont essayé de faire à l'abolition de l'esclavage. Ils étaient exactement dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'il y avait, peut-être une composante de plus, c'était les Indiens. Il y avait les Indiens, les Noirs africains et les Blancs. Et la démocratie raciale, c'est comment on vit ensemble. Bon, alors c'est un vieux concept, qui a la vie dure, hein, puisqu'on en parle toujours, hein, les Brésiliens continuent à dire qu'ils ont fait ou ils ont essayé de faire la démocratie raciale. La démocratie raciale, c'est le vivre ensemble. Alors, est-ce qu'ils ont réussi? On va en parler un peu plus tard. Enfin, pour savoir s'ils ont réussi, il faut voir par exemple les gens qu'ils ont adorés, comme Pelé. Bon, Pelé, lui, c'est l'afro-descendant. Hein? Vous avez vu dans le carnaval les mulatas. Hein? Les femmes, les belles femmes que vous voyez, ce sont des mulatresses. Hein? Bon. Et puis, on peut comparer ça. C'est vrai qu'il faut essayer de voir également si ça a amené une évolution de la population. C'est-à-dire, est-ce que les derniers ont monté? Puisque finalement, il y avait d'abord les Blancs, il y avait les Noirs et les Indiens qui étaient la dernière couche. Alors, est-ce que ça a permis une évolution? On ne peut pas dire que ça a vraiment donné une évolution. Pourquoi? Parce que c'est vrai aussi qu'ils ont essayé ce qu'on appelle discrimination positive, pour essayer de faire quand même les gens de la favela noire, par exemple, accéder à l'université. Alors, sont-ils arrivés également au gouvernement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de Noirs au gouvernement brésilien? Alors, par contre, quand on regarde Cuba,
c'est à sa révolution qu'ils ont essayé de tout mélanger. Hein. Alors, les gens disent que quand même, c'est le communisme, c'est le socialisme qui les tient comme ça, qui paraît égaux. Mais que le jour où le régime va tomber, les discriminations vont certainement apparaître. Et il y a des gens qui font remarquer que dans le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de noirs. Alors, si on essaie de voir la France... Il n'y a pas que dans le gouvernement, parce que même dans les instances dirigeants du Parti communiste... Cubain. Hein, ouais. Vous ne trouvez pas beaucoup de nègres non plus. Hein, d'accord. Alors, en France, la France, c'est un peu la même chose. La France était la France jusqu'à leur colonie. Et après la colonisation, la France a reçu du monde, le monde que la France avait colonisé. La France avait colonisé tout le monde. Hein, des anamites jusqu'à la fin. Bon, ces gens-là sont venus en France. Et la France n'a pas voulu les intégrer. Les gros problèmes qu'il y a actuellement en France sont des problèmes d'intégration. Hein, des quartiers qu'on appelle des quartiers sans droit, ce sont des quartiers pour lesquels on n'a pas fait grand-chose pour l'intégration. Encore que c'est quand même difficile. Et puis, alors, on peut en arriver à la Martinique, puisque la Martinique avait quand même la même histoire que le Brésil. Est-ce que nous, à la Martinique, on a essayé la démocratie raciale? Je crois qu'on en est un peu loin là quand même. Puisque il y avait quand même deux partis à la Martinique, deux partis importants, on va dire trois. Il y avait les descendants des esclavagistes, c'est les béquets que tout le monde connaît. Il y a les descendants des Africains, et puis il y a la classe intermédiaire de mulâtres, hein, puisque la Martinique était divisée en classe et en race. Hein. Bon, alors, est-ce que la Martinique a cette capacité un jour d'arriver à ce que les Brésiliens ont essayé de faire, c'est-à-dire cette démocratie raciale, c'est-à-dire le vivre ensemble, c'est-à-dire un peu, ce qu'on va dire, beaucoup plus de tolérance les uns envers les autres pour arriver à faire un projet commun, un projet de société, pas forcément de développement, mais un projet de société commun. Qu'est-ce que c'est un projet de société? Parce que moi, je trouve qu'on a un projet de société, on est tous judéo-chrétiens, on sait ce que c'est qu'une famille, je suis complètement pareil avec elle, elle est d'origine indienne, lui il est machin, un blanc, la Martinique, une unité sociétale, il me semble. Non, mais j'ai fini, sur les problèmes fondamentaux, la Martinique est unanime. Hein. Moi, je n'ai pas le même regard. C'est le même moi, je pense que la Martinique, depuis très longtemps, a une déclinaison. Il y a bien les béquets en un premier temps, et puis il y a le métissage qui a créé des mulâtres. Et les mulâtres, pendant les 50 dernières années, ils sont quasiment tous orientés vers les professions libérales ou des professions plus aisées qui obligeaient d'avoir des moyens financiers pour évoluer. Et puis ensuite, il y a la classe, moins évoluée, qui n'avait que leurs mains pour travailler, pour s'en sortir. Progressivement, avec le temps, c'est vrai qu'il y a un début de fusion. Mais il n'y a aucun doute que les grands métiers, les grandes professions étaient tenues, généralement par les mulâtres ou les blancs. Monsieur... Charlotte, ça ne plaît pas à tout le monde. Monsieur Charlotte, l'économie au monde béquet et au mulâtre, la politique aux afro-descendants et la culture aussi. C'est ça qui s'est passé en Martinique. Mm-hmm. Aujourd'hui, dans le monde politique, vous n'avez pratiquement pas de béquets. Il y avait Bailly à l'époque, maintenant mm-hmm. il n'y en a pratiquement pas. Ce n'est pas par hasard quand même. Or, le monde politique est quand même important. Aujourd'hui, la Martinique est dirigée par un homme qui est élu pour 7 ans et qui a je ne sais combien de milliards sur 7 ans à faire à sa disposition pour faire le pays. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Nous avons le pouvoir politique. OK ? En apparence. Ce n'est pas non. Parce que beaucoup d'hommes politiques ont eu leur campagne électorale financée par des gros financiers. D'accord. Là-dessus, peu importe. L'élu est un afro-descendant. On est d'accord ? C'est aussi, à certains égards, des hommes de paille.
certains égards. Mais arrêtez d'être... Mais c'est ce qu'il pense. Attends, ne sais pas. Il ne faut pas lui dire arrêtez. Laissez-le dire ce qu'il dit. Il y a des personnes qui ont des gros financements électoraux. Mais personne ne dit le contraire. En retour, ils vont des services. Mais laissez-le le dire si personne n'a dit le contraire. Attendez, ce que je dis, c'est que ce qu'il dit là, c'est vrai partout dans le monde. D'accord, d'accord. Ah ben, il fait bien de le dire, alors. Donc, c'est ça. Il faut dire que... Pourquoi le dire? C'est une évidence. C'est bien évident. Qu'il y a un tas de campagnes politiques en France, en Allemagne, partout, qui sont financées par le monde économique. C'est une évidence, ça. Bon. Donc, c'est ça la répartition des choses. Aujourd'hui, vous parlez du Brésil. Le Brésil est un lamentable échec, mais qui doit être très important pour nous. Au Brésil, ce sont les béquets qui ont pris le pouvoir. Et voilà ce qu'ils font. Pelé n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que les nègres sont complètement foutus au Brésil, c'est rien du tout. À Cuba, c'est pareil. Je n'ai plus le nom du gars qui a écrit un livre sur le racisme à Cuba, un professeur d'histoire, là. Par hasard, je commence à perdre ma mémoire. Il a fait un très beau livre. Céphile, Max Céphile. Il a écrit un livre sur le racisme à Cuba. L'organisation sociale. Et donc, si au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme les béquets le souhaitaient, la Martinique était devenue indépendante, mais nous aurions eu un gouvernement béquet, et puis on aurait... Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire. La culture, elle est quand même noire. La politique, elle est quand même noire. À nous, maintenant, d'investir le champ politique. Il ne s'agit pas de toujours mettre ça sur le dos des autres. Monsieur Montezume, j'aime bien Monsieur Montezume, quoi qu'on en pense. J'aime bien Monsieur Montezume, parce qu'il est médecin. Il a de l'argent, il essaye d'investir dans ce pays pour faire autre chose que d'être, je lui disais dans mon bureau, l'employé de la sécurité sociale. Bon, quant à M. Mpaye, il n'arrête pas d'aller au Cameroun pour essayer de construire, qu'est-ce que vous construisez là, des immeubles. Bon, il construit des immeubles. Je remercie, donc, en cela, je remercie la sécurité sociale. Oui. Oui, mais je vous comprends. Bon, qu'est-ce que c'est une dimanche? Alors, moi, je pense vraiment que la démocratie raciale, c'est vraiment une utopie. Parce qu'au Brésil, on voit bien que ça n'a pas fonctionné, à proprement parler. Plus de la moitié de la population est noire et métissée. Plus de la moitié de la population est noire et métissée. Il y a deux métissages. C'est déjà un début de démocratie raciale, ça. Oui, mais comment les noirs et les métis et les indiens sont traités chez eux, en fait? Ils sont tués, en fait. On les tue, hein. Comme aux États-Unis, hein. Non, pas à ce point-là. Ah, si, si, quand même. Ah, si, si. On les tue. Non, mais même aux États-Unis, on ne tue pas les Indiens. Les Noirs, c'est fini. Ah bon, vous allez au Mississippi, vous êtes sur une parcelle qui n'est pas chez vous, hop, on vous prend un fusil, hop, on vous tire. Ah ouais? Ah oui. On ne tue pas les gens comme ça aux États-Unis. Comment s'appelle, hein? Celui qu'on a tué là, qu'on a étranglé là. Floyd. Attendez-vous. Écoutez, mais Floyd, justement, ça a fait un scandale parce que c'est pas si fréquent que ça. Non. Ça a eu lieu quand même. Mais un monsieur, là, j'ai oublié son prénom. Attendez, non, il ne faut pas qu'on aille dans l'excès. Attendez, je reprends quand même un peu pour vous. Le concept de démocratie raciale, c'est le vivre ensemble. Mais je vous dis que c'est une utopie. C'est pas de gommer toutes les inégalités, parce que les inégalités vont prendre des siècles à être gommées dans le monde entier. Hein, il ne faut pas quand même se cantonner à un pays. La démocratie dont je parle, c'est celle de la société, c'est-à-dire celle qui s'interpénètre, c'est-à-dire où les mariages peuvent se faire interethniques. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un restaurant à São Paulo ou à Rio, que les gens qui sont à côté de vous ne vous regardent pas comme si vous étiez... Attendez, j'en ai terminé. En France, ça dépend où vous allez. Hein. Comment il s'appelle? Vous vous souvenez de Bérégovoy qui était ministre, avait acheté un appartement dans le 16e. Et il dit qu'il descendait manger avec sa femme dans un restaurant et il entendait les gens dire ils ne respectent même plus nos restaurants. Donc, c'est pour vous dire que même dans cette France évoluée, les gens considèrent qu'ils ne peuvent pas trop se mélanger. Bon,
C'est un peu de ça que je parle. Ce n'est pas de gommer totalement les inégalités. Tout le monde sait que c'est très difficile. Les inégalités, quand même, persistent. C'est-à-dire, est-ce que la population vit ensemble? Alors, si vous préférez, est-ce que les Martiniquais ont des problèmes avec les béquilles? C'est ça aussi la question. Oui. Est-ce que les Martiniquais mulâtres ont des problèmes avec les gens qui sont plus foncés qu'eux? C'est ça le problème. Oui, mais je suis... C'est ça la question. Aujourd'hui, en 2022, dire béquet, c'est déjà compliqué. Parce que parmi les béquets, il y a de tout. Il y a des gros béquets. Oui, c'est vrai. Il y a des béquets qui n'ont plus rien. Oui. Et beaucoup de béquets se battent à 7h du matin, 22h dans leur entreprise pour tenir la position. Oui, c'est vrai. Et le fait de dire béquets aujourd'hui, c'est pas si intéressant. C'est pas tout à fait la même chose qu'avant. C'est pas la même chose qu'avant. Surtout, c'est pas la même chose qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y a de tout. Hein. Il y a des béquets, c'est des bons. Il y a des béquets, c'est des enfoirés. Hein. Oui, mais la question là est de savoir, est-ce qu'ils interpénètrent, est-ce qu'il y a une interpénétration avec le reste de la population? Pour le moment, je pense que il y a une avancée timide, mais qui, vu la situation économique, vu la déchéance de certains béquets, oui, on peut dire que des béquets perdent pied et s'interpénètrent dans la population. Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Alors reprenez par rapport à ce qu'on vient de dire. Hein. Non, mais j'avais déjà compris le sujet, mais vous ne me laissez pas parler, je ne comprends pas. Alors on vous laisse parler. Ben justement, j'étais en train de vous dire que le Brésil, plus de la moitié de la population est noire et métissée. Mais il y a quand même des inégalités qui persistent. Il y a quand même des personnes qui se font tuer, des personnes de couleur qui se font tuer. Ça, c'est, faut pas dire que c'est un mythe, c'est la réalité. Comme aux États-Unis, Monsieur Larocher n'aime pas que je dise ça, mais c'est vrai. Comme aux États-Unis, ils se font tuer. Après, il y a des endroits où des personnes de couleur sont très mal acceptées. On parlait de Rio. J'ai regardé un reportage qui parlait de ça. Dans les boutiques multinationales, les personnes de couleur ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, comme des boutiques de Dior, je ne sais pas. C'est que des personnes caucasiennes qu'on met pour la vente, etc. Et pourtant, Dior a des mannequins noirs. Hein? Je vous dis. Donc, il y a toujours des inégalités. Après, il y a quand même quelques progrès. La politique a mis en place la discrimination positive qui a permis à des minorités d'accéder à des postes un peu plus élevé que ce qu'ils avaient au départ. D'accord. Mais après, quand je dis que c'est un mythe, c'est qu'il y aura toujours ces inégalités. Oui, d'accord. C'est oui. Ça, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on peut vraiment vivre ensemble sans faire attention à la couleur de peau? Parce que c'est le débat que même la France mène encore aujourd'hui, puisque la France... Surtout la France qui mène, oui, qui mène ce débat, parce que la France, elle-même, elle ne veut même pas qu'on parle de communauté. En fait, j'ai l'impression qu'elle veut gommer toutes les caractéristiques des gens, ou dire que c'est qu'une seule personne, quoi. On est tous pareils, parce qu'on a les mêmes valeurs. Mais peut-être que le gouvernement, peut-être que la France a fait des efforts pour tenter de mettre tout le monde en équilibre, mais la nature humaine fait que... Oui, mais il ne faut pas... Il ne faut pas... Quand vous cherchez un appartement, oui, on vous dit votre téléphone, et non, il ne faut pas gommer les caractéristiques. Non, quand vous arrivez. Voilà. Il ne faut pas gommer les caractéristiques. La France veut gommer les caractéristiques et détruire les communautés en disant que ça... comment dire, ça peut troubler la République, alors que pas du tout. Parce que pour la démocratie, peut-être que la France veut un esprit d'équilibre entre les êtres humains. Peut-être que l'effort est fait sur le plan juridique, mais peut-être que socialement, ça ne marche pas. Quand on dit que les Arabes et les Noirs se font plus arrêter en France, les gens veulent pas, disent que c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Parce qu'il y a peut-être plus de gendarmes venant de la petite province de Tataouine-les-Oies, qui sont peut-être moins développés. Je vais vous poser une question. Imaginons que la France soit peuplée de Noirs. Imaginons. Oui. Et que les Blancs soient en minorité. Pensez que ça aurait été différent? Non. Ah non. Regardez en Martinique, c'est différent. Pose juste la question. Est-ce que vous pensez que ça aurait été différent? Non. C'est une question de groupe. Vous en concluez quoi? De groupe d'ambitieux? J'en conclue que, en fait, la nature humaine est celle-là, pour une bonne partie des êtres humains. En réalité, on se sent mieux, pour la plupart, avec les gens qui nous ressemblent. Pour moi, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, quand vous parlez par exemple du béquet, est-ce qu'il y a l'interprénétation entre les races? La question c'est que, est-ce que vous pensez que les Noirs de Martinique ont forcément envie de l'interprénétation avec les béquets? Non. Non. Vous voyez? Parce qu'en réalité, chacun vit dans son espace. Avec son mode de fonctionnement. C'est coutume, oui.
né de là où il est, élevé de comme il a été élevé, et en fait, vit avec. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je dis simplement que c'est comme ça que c'est fait. Quand je vous parlez de la Martinique, moi je parle de, d'où je viens. Je viens du Cameroun. Je vais vous donner un exemple. Quand vous arrivez dans un territoire comme le mien, Bassa. Le peuple Bassa, sur lequel nous avons fait ce qu'on appelle le maquis jusqu'en 1970. C'est-à-dire qu'en 1970, il y a 50 ans, chez moi, on accrochait encore les pics, les gens sur des pics, pour décourager les populations à rentrer dans le maquis pour chasser l'occupant, jusqu'en 1970. Est-ce que vous pensez que sur un territoire comme ça, quand vous ramenez avec quelqu'un qui a une couleur différente que la mienne, vous allez être accueilli à bras ouverts? Ouais, c'est la trahison. Non. Est-ce que ça veut dire que l'interpénétration ne doit pas se faire ou... Non. C'est que dans la façon dont nous avons été élevés et dans la façon dont nous transmettons notre patrimoine à nos enfants qui naissent, la notion est que il faut se méfier de l'autre. Il faut faire attention à l'autre. Donc, c'est bien de parler de l'autre côté, mais moi je parle du mien, qui est comment je vois l'autre quand je le regarde. C'est ça qui est la réalité. La réalité, c'est que nous sommes formés de d'où nous venons. Après, on va modifier avec les interpénétrations culturelles des gens que nous allons rencontrer dans notre vie. Mais en réalité, ce n'est pas forcément nous qui changeons. C'est ce que nous allons inculquer à nos enfants plus tard qui permettra l'interpénétration. C'est pour ça que je dis, et j'insiste quand vous parlez de discrimination, ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans le court terme. Il faut voir ça dans le long terme, mais même dans du très long terme. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons parler de ces notions, parce qu'on en parle peu en France. En fait, le problème de la France, c'est qu'on parle peu de ce qui s'est passé. On en parle très peu. Et c'est parce qu'on en parle très peu que chacun reste dans son positionnement de départ et que c'est transmis comme un poids à porter. Mais en réalité, si on faisait, comme aux États-Unis, de parler de cette notion d'esclavage, de parler de cette notion de colonisation, de parler de ça au quotidien, que ça devienne... Vous vous rendez compte que c'est, c'est exactement la pire des choses à faire. Parce que vous savez que rien que pour mettre une journée qui commémore cela, ça a mis combien de temps pour reconnaître vous reconnaître quoi? Que c'est un crime contre l'humanité. Moi, je vous dis, c'est la pire des choses. Allons-y. Pour reconnaître, par exemple. Parce que je suis un petit martiniquais, un petit noir. Mais quand je dis que je reconnais, ça ne veut pas dire qu'on doit en faire un tabou tous les matins, sur s'accrocher, etc. On peut en parler librement. Vous vous rendez compte que pour employer le mot blanc ou noir dans ce pays, on met des gants. On dit black. On met des gants. On dit white. Alors que je suis noir et je le revendique. Ça ne me dérange pas que quelqu'un m'appelle blanc, noir ou nègre. Ça ne m'a jamais posé un problème. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mais on n'en parle pas. Moi, je suis un petit martiniquais, un petit noir dans une classe. Et puis, des petits blancs et tout ça. On a 13 ans, 14 ans. Et puis, vous me racontez que, mes parents ont été esclaves, etc. Je n'ai pas envie de savoir ça. Je m'en fous complètement. Le petit non, blanc, non, non. Laissez-moi finir. Il ne s'en fout pas complètement. Moi, je vous dis, si moi, je m'en foutrais complètement. Oui. Et je ne serais pas content que le petit blanc... Une fois, j'étais à l'école des impôts. L'ENI, l'école nationale des impôts, à Clermont-Ferrand. J'ai eu un problème avec un Africain. Eh bien, l'insulte, c'était « fils d'esclave ». Il m'a lancé comme insulte « fils d'esclave ». C'est la première fois que j'entendais ça. Mais le petit blanc, il aura le même truc. Il va me mépriser quelque part parce que mes parents étaient esclaves, etc. Il y a ce risque-là. Ça, je veux le dire. La deuxième chose, expérience personnelle. On a 13 ans, 14 ans. On est assis sur un banc du Luxembourg avec une petite copine, peut-être la première petite copine qu'on a dans la vie. C'est une blanche. Et elle voit passer un Africain. Et elle dit, je n'aime pas les Noirs. Je dis, je suis noir. Non, toi, tu n'es pas noir. C'est-à-dire, comment? Mais si tu n'es pas noir, tu es quoi alors? Mais elle n'aime pas les gens trop noirs. Trop noirs. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous dis... D'accord. C'est absolument important parce que ces problèmes de race et tout ça, il faut les porter sur le plan individuel. De la même façon qu'elle n'aime pas les bruns, ou qu'elle n'aime pas les blonds, ou qu'elle n'aime pas les roux, elle n'aime pas les noirs. D'accord, noirs. Bien sûr. Donc c'est une question de goût, c'est pas une question de racisme. Il faut savoir faire toutes ces différences-là, sauf qu'on ne s'en sort pas. Mais d'abord, on s'en sortira d'autant pas que c'est la fin de l'émission. Il faut qu'on arrête. Mais vous avez dit qu'il ne faut pas en parler trop. Il ne faut pas en parler trop. C'est votre...
c'est ma conception. C'est votre mémoire obscure. Donc, parle chamois. Celui qui en parle trop ou celui qui ne veut pas du tout en parler. Il dit c'est la même chose. Merci beaucoup d'avoir été présent, Cindy. Merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir de parler. Bon, aujourd'hui, elle nous a donné du verre. Ah oui, bon week-end à tout le monde. Merci, José et Charlotte. Merci d'avoir été là. Eh bien, oui, chers amis. Nous avons fait une petite émission, comme on dit, en mode vacances. C'est vrai que je ne dis pas nous avons fait allô docteur, mais on aurait pu répartir un peu la parole. Les sujets. Ah, des sujets. Et on a parlé de tout ce qu'il fallait. On n'a pas parlé des paiements quatre fois bancaires, ah, oui, des dégâts causés par les sargasses sur la santé et sur l'économie, mais on verra ça la prochaine fois. Ok, merci. Docteur Mpaye, merci d'avoir été là. Donc maintenant, mes chers téléspectateurs, vous avez compris, mais pourquoi les Martiniquais que je croise dans la rue reprochent à M. Laouché de chercher toujours à avoir le dernier mot. Vous avez un exemple de ce que ça veut dire avoir le dernier mot. Je sais, je vous remercie. Oui. Bon week-end. Vous voulez du dernier mot? Allez-vous laver. Allez-vous laver. Allez-vous laver. Allez, virgule, vous lavez. Alors, en latin, ça se dit coda venenum, la queue venimeuse. Ça veut dire que vous attendez le dernier moment pour me piquer. Comme ça, je ne peux pas répondre. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci Jordan Adélaïde pour votre réalisation. On se voit la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Au revoir. Au revoir.